Je m'appelle Guy Avril, j'ai 82 ans et je suis un des derniers survivants, on va dire, les poker rouilles de la boule au but. 39 ans de carrière à Haut-But, ça fait quelque chose. Donc vous allez nous raconter un peu comment vous les avez vécus, ces 39 ans. Et aujourd'hui, on va raconter un peu l'histoire d'Haut-But. L'histoire de mon grand-père qui est venu à Saint-Bonnet-le-Château dans les années 40. Et il a développé une activité qui était en fait la fabrication de tubes pour les vélos. Donc il faisait beaucoup de découpage en boutissage. Et en 58, mon père, mon oncle, mon grand-père et Antoine Dupuis ont fait une association de ces quatre personnes et qui ont permis de récupérer un embryon de société qui s'appelait la Société Nouvelle de Boules à Jouer. Peu de temps après, en 58, ils l'ont nommée la Boule au But. Donc ils ont démarré l'histoire à ce moment-là. Et donc Guy, vous êtes rentré. Je suis entré en avril 58. Et en avril 58, on était dans un petit bâtiment qui s'appelait Monchaud. C'était l'ancienne fabrique de serrures, ouais. du père Boyer. Mais la lattie était en terre battue. Donc c'était, avec les boules, c'est trop lourd. Le premier travail que j'ai fait du ciment. Ciment, on a fait la dalle, quoi. Alors au début, quand on travaillait, c'était vraiment sommaire, puisque tout le dépôt d'acier était à l'extérieur. Et l'hiver, croyez-moi qu'il faisait pas chaud. On rentrait des barres de 6 mètres d'acier et on les découpait à la main. On découpait un disque. Et quand on en avait fait un certain nombre, on démontait la presse qui servait à découper, et on la montait en amortissage. On chauffait les disques sur un four à gaz, ou un four mazout, et ensuite, on amortissait pour faire une demi-sphère. Et une fois que l'hémisphère était froide, on les chanfreinait. Ensuite, les deux coquilles étaient assemblées manuellement, et le gars soudait à la baguette. C'était des billes vraiment minimes, quoi. C'était quelques centaines. Après, on mettait le striage. À cette époque, comment ils polissaient ? Ils polissaient dans des... C'était les machines, les quatre têtes. C'était quatre moteurs en biais, et puis ça tournait. Et le marquage était fait comment à cette époque ? À la main ? Au début, alors, carrément à la main. Oui, avec des petits poinçons, des oui, numéros. Oui, les chiffres. Et on frappait. Qu'une fois marqué, donc la boule, elle partait à la trempe. Et puis ensuite, quand elle était rouge, on les sortait une par une avec un ringard. Et après, repolissage. Et après, le polissage finition. Elle brillait, comme on dit chez nous, comme tout neuf. À l'atelier Monchaud, on était 5 ou 6 à ce moment-là. D'accord. 7, 8 peut-être. Et puis le reste, c'était en bas. Ils étaient 2 ou 3 en bas aussi. 10 personnes. Une aventure. L'aventure, c'était vraiment le départ. C'est l'aventure et le départ. Moi, j'ai une anecdote qui m'est revenue. De temps en temps, ils faisaient des pommes de terre au four, dans le four. C'était surtout pour faire les boules. On glissait un ringard et on mettait dans le four. C'était souvent les saucisses d'herbe d'ailleurs. Et en fait, en 64, vous venez ici. Oui. L'entreprise se développe petit à petit. On arrive à un peu plus automatiser. C'était un des premiers automatismes, c'est-à-dire que c'était un fourron, on mettait les disques en pile. Et après, on les chauffait. C'est une pâte qui sortait, puis le gars, il emboutissait, mais il est emboutissé, l'un par un, à la main. Un par un. Donc c'est le début de l'évolution. Quoi. En fait, aujourd'hui, on forge des aciers, mais à cette époque-là, on ne les forgeait pas. On faisait simplement du découpage. On faisait tout en acier plat. La puissance nous a permis de faire la soudure en interne, de faire le traitement thermique. Et l'induction, le four induction, cisaillage pour induction est venu dans les années... C'est beaucoup plus tard. Et il a succédé au four rouge, disons. Mais c'est dans les années 72. Mais là, ça a été une grosse évolution quand on s'est mis au lopin. En fait, ils sont passés d'un plat où on découpait un disque, on emboutissait, et ils sont passés d'une barre où on coupe à peu près la valeur d'un petit suisse et on le met debout et on aplatit, on forme un disque à chaud et puis ensuite on emboutit et on fait la moitié de la boule. On fait deux coquilles. Oui, le plus dur, ça a été dans le pain pour l'écraser pour que ça soit un disque rond. Oui. Il y a eu pas mal de tâtonnements, on va dire. Oui, c'est normal. Hein. On a très vite multiplié par 10 la productivité. Oui, et monter en puissance, parce que si vous avez démarré avec 5 personnes, quand vous êtes monté ici... Moi, je pense qu'on était 20-25. Et très vite, dans les années 76, on a été à peu près 160 personnes. Cette période-là, ça a été significatif quand on a commencé à faire de la pub télé. On a monté en volume de façon énorme et on a repris de la notoriété de façon significative pendant 2 ou 3 ans. Vous vous êtes fait connaître. Et on s'est fait à la fois connaître et connaître la marque et le fait que ça soit au but. Et ça, ben, Guy, on peut le dire, on a vécu une période où on travaillait en 2-8 ou en 3-8 dans certains cas. On voyait qu'il fallait produire.
Assez rapidement, il y avait des machines qui arrivaient, il y a une évolution, quoi. Et on a vécu cette période où la boule loisir, on a dû réussir de mémoire dans ces années. On a dû faire à peu près 4 millions de boules par an. Dans les années 90, la concurrence chinoise est arrivée à ce moment-là. Ça a été très dur. Du coup, comment vous l'avez vécu ? Je ne pensais pas que la boule au but partirait à l'étranger. Je ne pense pas que les gens y aient pensé. Je me rappelle d'un mot d'André Dupuis. C'est Madine Samonet, j'espère bien que ça le restera. Ils avaient peut-être plus l'appréhension de se dire ben, la Chine va nous prendre notre marché. Oui, et que ça va, qu'on va décliner, quoi. Bien sûr, la grande distribution a joué la Chine parce qu'il y avait un prix. Et on s'est dit, ben, il faut qu'on s'échappe sur autre chose. On s'est acheminé sur une meilleure qualité de produit, avec une norme, avec AFNOR. Et ça nous a permis d'aller sur un plan qualité et non plus quantitatif. Ça a changé, hein ? Légèrement. Ben moi, je suis content de ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai toujours aimé mon boulot. J'ai fait ce que j'ai pu pendant le 39 ans. Hein. Je regrette rien. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qui a été fait, assez admiratif des générations précédentes, des gens comme vous qui ont fait leur carrière avec des anecdotes, des explications, des souvenirs qui reviennent, qui sont forts. C'est ce qui a fait humainement là où en est la marque aujourd'hui. Et donc, on doit continuer ça. C'est notre devoir de le poursuivre le plus longtemps possible. Bien sûr.